Sur les pentes de la Croix-Rousse, vous êtes pressé. Vous dévalez les escaliers jetant un coup d'œil à votre montre. Mais vous ratez une marche et perdez l'équilibre. Vous tombez et c'est la dégringolade. Vous dévalez la pente en roulant sur vous-même. Bref, comme on dit à Lyon, vous débaroulez. Tombé en roulant, j'ai débaroulé dans l'escalier. Voilà, normalement, c'est rouler, débarouler, c'est rouler de haut en bas. Ce mot typique de la région vient de faire une entrée fracassante dans le dictionnaire Larousse, édition 2018. Région. C'est la gloire, c'est extraordinaire, c'est notre patrimoine régional qui entre dans un ouvrage quand même qui a une renommée nationale. Dans la langue française, pas d'équivalent, le mot débarouler est beaucoup plus imagé. Parce qu'on peut glisser dans les escaliers, mais chez nous, on ne glisse pas. On débaroule, c'est-à-dire quand on est tombé, on voit bien l'action de débarouler, c'est de rouler pratiquement sur soi-même jusqu'en bas des escaliers. Voilà. Les escaliers étaient tout bassouillés, la Glaudia a roqué contre et elle a débaroulé jusque vers les sauts des quevilles. Un mot lyonnais, mais c'est à Paris que la décision a été prise par cet homme, un linguiste originaire de Lyon. Les grands lyonnaisismes bien connus sont dans le Petit Larousse. Bouchon, Machan, Bugne, Traboul, Panos, ainsi de suite. Maintenant, il s'agit d'aller un peu plus loin et faire entrer des mots moins connus à l'extérieur, mais tout à fait vivants à Lyon. Donc cette année, débarouler, je rêve de faire entrer Gognandise et les âniers, et puis surtout les équevilles, qui sont les ordures ménagères à Lyon. Débarouler est le seul lyonnaisisme qui entre au Larousse cette année. Ils ont mis Lyonnais midi.